Dans cette vidéo, vous allez apprendre des raccourcis clavier sur Canva. Alors, quel est l'intérêt d'apprendre tous ces raccourcis? Ça va vous permettre d'augmenter votre productivité et d'aller bien plus vite en utilisant Canva. Pour rappel, quand vous cliquez sur votre image et que vous faites clic droit, les raccourcis clavier vont s'afficher ici. Vous n'avez qu'à les apprendre et vous allez déjà aller bien plus vite. Mais il y a des raccourcis clavier qui sont peu connus, comme par exemple quand vous appuyez sur la touche T, qui va directement créer du texte, Alt plus déplacer, qui va permettre de dupliquer une image et la déplacer où vous voulez, Ctrl Z, qui est sur tout le logiciel globalement pour revenir en arrière, ou même Ctrl Shift Z, qui va vous permettre de revenir en avant. Après ça, vous pouvez même appuyer sur L pour directement créer une ligne, et après, il y a bien d'autres raccourcis clavier peu connus sur Canva, mais selon votre utilité, vous avez juste à faire clic droit et vous allez les découvrir. Ils sont toujours indiqués. Globalement, ceux que je vous ai montrés, c'est ceux qui vont vous faire gagner le plus de temps. Et dès que vous allez les connaître par cœur, vous allez voir, vous allez aller 10 fois plus vite pour créer du contenu sur Canva.